Très vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Vite, 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 vite. Attends. Oh, sa mère. Hey, bien bonjour à tous amis, c'est Firefrag, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc comme vous l'avez vu c'est pas sur la console mais c'est une vidéo IRL. Donc comme vous l'avez vu au titre les gars, donc simplement j'ai donné rendez-vous à un psychopathe. Donc voilà, je vous expliquais vraiment dans les détails comment ça s'est passé. Donc les gars, je suis tombé en fait tout simplement, il y a quelqu'un qui m'a ajouté sur Snap et qui a commencé à me parler. Donc il savait très bien que je faisais des vidéos sur YouTube, tout ça. Donc aussi je tiens à préciser, je montre pas ma tête, voilà pour... Tout simplement, je ne montre pas ma tête. Donc voilà, il savait que je faisais des vidéos sur YouTube. Et tout simplement, cette personne m'a donné rendez-vous donc, dans ma ville. Donc voilà, j'étais assez surpris. Donc du coup, les gars, ce qu'on va faire, c'est que bah, là, tout simplement, je vais attendre un pote. Mon pote, il va arriver, voilà, simplement. Et on va y aller en voiture parce que c'est quand même assez loin de chez moi. Donc là, je suis sorti de chez moi il y a tout juste 5 minutes. Donc du coup, comment ça va se passer? Bah, on va voir si cette personne a vraiment donné rendez-vous. Donc c'est dans un chemin apparemment, donc on a déjà été voir cet après-midi pour voir comment ça se passait. Donc c'est dans un chemin les gars, donc bah écoutez, on va bien voir comment ça se passe et puis si la personne est réellement venue tout simplement. Donc aussi on va éviter, enfin simplement si on cite pas nos prénoms dans la vidéo, c'est simplement normal, c'est pour être des raisons de bah, être confidentiel simplement, pour pas dévoiler notre identité comme ça sur YouTube. Donc écoutez les gars, en attendant j'espère que cette vidéo vous plaira, donc ça change, c'est une vidéo IRL comme vous voyez. Donc si ça vous plaît comme d'habitude les gars, franchement objectif 100 likes les gars, 100 likes ça ferait super plaisir. Donc les gars, je vais l'attendre, donc je vais aller juste là-bas, en fait on s'est donné rendez-vous à un endroit. Je vais l'attendre et on se reprend une fois que je suis dans la voiture et je vous expliquerai un peu plus en détail l'histoire. Donc à tout de suite les gars. Donc voilà les gars, donc là il vient d'arriver, donc du coup on va le rejoindre. On va le rejoindre directement les gars. Donc alors comme je vous ai dit juste avant, on va simplement vous expliquer un peu plus en détail avec lui. Donc là voilà, il va arriver. Ça va quoi? Ça va. Bon, je t'ai expliqué vite fait, l'histoire. Ouais. Donc du coup tu connais un peu, donc donc comme j'ai dit, bah simplement j'avais donné, enfin simplement j'ai parlé à un mec sur Snap, donc voilà il m'a ajouté, il savait que je faisais des vidéos, et il a donné rendez-vous à un endroit, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va, bah, simplement on va aller voir s'il est là, et voilà, donc on sait vraiment pas à quoi il ressemble tout ça, donc vraiment c'est chaud, donc on va bien voir comment ça va se passer là-bas. Donc alors là on y va directement les gars, donc c'est quand même assez loin. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une coupure et on se reprend une fois qu'on y est presque. Donc du coup là les gars, on est bientôt arrivé à l'endroit où il nous a donné rendez-vous tout simplement. Et simplement on va voir comment ça se passe. Donc on va essayer de faire un mini, vraiment minimum de coupure pour pas que vous pensez que c'est fake ou quoi que ce soit. Donc sinon toi tu m'as parlé vite fait sur Snap, tu m'as demandé comment il était tout ça, donc je sais pas du tout. On va bien voir les gars, franchement j'espère que bah déjà il va pas nous mettre une cale, il va venir, ça serait bien tu vois. Ah, j'espère que c'est pas, il est pas trop gros non plus hein. Ouais j'espère, ça va être chaud les gars, donc on va bien voir franchement. C'est la première fois que je fais ça moi, donc c'est chaud. Snap il parle. Ouais, sur Snap il parle beaucoup, il insulte même, donc du coup on va vraiment y aller, on va voir comment ça se passe. Messenger aussi, je mettrai les screens, les screens ils seront plutôt dans la vidéo je pense, donc je mettrai tous les screens, vous allez voir, franchement vous allez voir c'est un truc de ouf comment il parle mal, et on va bien voir comment ça se passe là, on va bien voir hein. Donc du coup ce qu'on fait là, bah, là de toute façon on va arriver, donc comme on va arriver les gars, ce qu'on va faire c'est que on va faire une petite coupure, tout ça, l'histoire de se préparer, tout ça, voir un peu s'il ne tend pas un piège ou quoi, un truc chelou. Surtout qu'on est dans son quartier là. Voilà, donc on a monté à son endroit, là où il voulait qu'on aille simplement. C'est pas nous qui avons donné rendez-vous, c'est lui qui l'a donné. Donc on sait pas s'ils sont plusieurs, on sait vraiment pas du tout comment ça va se passer les gars. Donc ce qu'on fait c'est que là on va arriver à l'endroit et on se reprend tout de suite les gars. Donc voilà les gars, donc là on va arriver au niveau du premier champ.
Donc on est descendu de là, on est en train de marcher là, ça fait environ 2 minutes. Donc ce qu'on a fait en fait juste avant, c'est qu'on était voir au point de rendez-vous. Donc ils nous avaient donné un rendez-vous à 22h les gars, et on y était à 21h45, donc il n'était pas encore là. Donc là ce qu'on a fait les gars, c'est qu'on a trouvé un deuxième champ. Donc on va aller voir les gars. Donc, Là, c'est le premier. Ouais, deuxième avec l'autre juste avant. Ah oui, ouais. On a vu l'autre juste avant, du coup on a trouvé un deuxième champ, donc on sait pas trop où c'est. Donc du coup on va aller voir là, et si vraiment il est pas là, on va aller voir l'autre champ juste avant en fait. Donc là les gars, comme vous pouvez voir, il fait vraiment noir. Donc je précise, je suis en train de filmer avec mon iPhone. C'est pour ça là vous voyez pas trop. En tout cas, j'espère qu'il est tout seul. Ouais. En fait, ils sont quatre frères, donc on sait même pas par où sortir. C'est vraiment chaud les gars. Ouais, mais surtout que ça fait, je sais pas. Ouais, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Donc là pour l'instant, je sais pas, genre ça fait vraiment flipper là par contre. Là vraiment on arrive vraiment loin dans le champ les gars, genre on a vraiment pas mal marché déjà. Oh, le piqué m'a fait peur. Ouais, attends. C'est même pas un piqué, c'est des flips. Ouais. Donc on rigole là, je suis sûr on rigole, mais on sait pas à quoi s'attendre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce qu'on sait pas s'ils sont plusieurs ou quoi? Encore, par contre là c'est chaud. J'ai grand. S'il est tout seul on s'en fout, tu vois. Mais s'ils sont plusieurs. Ouais, c'est ça le problème. Donc, après, s'il est tout seul, tu sais très bien, ça va aller vite. Si, ouais, s'il est tout seul, on va pas reculer, on va l'attendre, on va voir ce qu'il va faire. Ouais. Vas-y, on est très loin là, non? Alors, franchement, les gars, on est vraiment parti loin. Je sais, oh, par contre, là, j'ai eu peur, quoi. Il y a des petits bruits, tout ça. On est vraiment parti loin là, dans le champ. Bah, fais-le revoir là-bas. Là, je sais pas si vous voyez. On est vraiment pas loin. Pas loin, plus loin plutôt. Là les gars c'est vraiment chaud. Donc aussi on va bien voir. Donc au cas où quand même les gars, j'ai donné le numéro de téléphone de mon pote. Je lui ai envoyé sur Snap juste avant. Donc au cas où il ne nous trouverait pas, pour voir s'il va appeler, donc s'il aura simplement les couilles d'appeler. Mais c'est vraiment chaud les gars. On va bien, on va aller voir l'autre, je crois. Parce que là on pense. On va aller à l'autre champ. Bah ouais. Vas-y. Là franchement les gars, on était. Vraiment, il n'y a vraiment rien là. On a quand même été très loin, pour l'instant toujours rien. Franchement ça fait flipper là, mais franchement je pense pas qu'il va venir. Franchement s'il vient, il a vraiment une paire de couilles énorme. S'il vient, c'est. De toute façon s'il vient, c'est qu'il est pas tout seul. Non, il viendra pas tout seul. Ça c'est sûr, vous allez pas tout seul à un endroit comme ça. Après s'il est tout seul, c'est pas grave ça. Ouais, s'il est tout seul, après on reculera pas, comme j'ai dit. Bon. Plusieurs, après c'est pareil, parce qu'après on sait même pas s'ils ont des trucs dans les mains ou quoi. Ouais. Après nous on a la voiture, ouais mais bon. Ouais, la voiture on l'a garé quand même assez loin. Il va falloir qu'on cavale. Au cas où. Ouais. Si vraiment ils sont plusieurs, il va falloir qu'on court et tout, ça va être chaud les gars. Après, mais vraiment. Après même s'ils sont plusieurs, on s'en fout. Après nous on peut leur faire un truc et puis revenir. Ouais. C'est chaud. Oh. Jure. Allô. Quoi? Mais comment là? T'es où? Je suis là où a fixé le rendez-vous, j'ai un seul ou est-ce que c'est la même? Il a dit quoi? Je sais pas, t'as dit quoi? Je suis là où on a fixé le rendez-vous. Mais on y est là. Vas-y, viens, c'est avec ta clique, je t'attends là. Mais on y est. Là, je crois que c'est l'autre champ. Putain, vas-y, on arrive. Ouais, vas-y, ouais. Ouais. On y va. Vas-y. Par contre, donc là les gars, franchement, il vient d'appeler. Donc comme vous avez vu, je vous ai fait voir sur le téléphone. Il a appelé sur le téléphone de mon pote. Donc ouais, c'est ça gros. Hein. Il est quelle heure? Il est quelle heure là? Je sais pas. Il est quelle heure? Il est 22h04, ok. Donc ouais, c'est ça en fait. C'est ça. Donc on va y aller. Donc le champ, il est quand même assez loin. On fait une petite coupure. Ouais, c'est bon. On fait une coupure les gars. On fait une coupure et on se reprend une fois arrivé là-bas. Donc les gars, donc voilà, là on vient d'arriver au premier lieu où on a été, où il n'y était pas. Donc là, comme vous avez vu, il nous a appelé, donc là on arrive vraiment au premier lieu. Par contre, ça fait flipper. Hein. Tout à l'heure on a juste vu, ça fait un peu plus peur que l'endroit d'avant. Donc on va y aller doucement, on va faire gaffe les gars, c'est chelou ici, il y a des arbres, tout ça. Alors. Il y a un piqué au milieu du champ. Ouais. Je sais pas si on voit sur la vidéo, non, on doit pas voir. Ouais, donc du coup il nous a appelé, là on est arrivé à l'endroit où de base il y avait rendez-vous.
Putain, oui, attends, on a rien là. Par contre, faire attention à la maison là-bas. Ouais. Pas qu'il sortait de là-bas, t'as vu. Sur la vidéo, on le voit même pas, mais. Par contre, c'est trempé à câble, gros. Ça a puissé. Bon. Wesh. Wow. En plus, c'est une voiture qui passe sur la route juste derrière. Donc les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre un peu plus bas dans la rue. Donc on va aller voir un peu plus bas dans la rue. Parce que là, pour l'instant, il n'est pas ici. Donc on, en fait, on va voir juste dans la zone du rendez-vous. Il nous a donné une zone. Il nous a dit au champ, en fait. Donc on ne sait pas si c'est à l'entrée ou quoi. Donc là, on va voir un peu plus bas dans la rue. Faire attention aux voitures. Ouais, ouais. Pour ça, donc là, on est directement sur la route. On va descendre un peu plus bas, les gars. Par contre, tu vois, comme j'ai dit juste avant, ça fait flipper parce que genre on sait pas. Putain, c'est quoi, t'as fermé la voiture ou quoi? Ouais, j'ai oublié. Ouais. Donc on sait pas, genre on sait pas ils sont combien. On sait pas du tout. Ça se peut, il va être tout seul ou quoi, tu vois. S'il est tout seul, on voit qu'est-ce qu'on va faire. Ouais. Il y a même encore une entrée là. Après s'il vient pas sur nous, tu vois, on va pas chercher les problèmes avec lui. Mais si. Ah ouais, toi tu vas? Oui. Tu iras tout seul. Il nous a insulté. Tu sais pas s'il a un couteau dans sa poche ou quoi. Tu sais pas, tu peux pas savoir. De toute façon, tu vas le voir. Ouais. Pas faire des cons. Ok. S'il marche bien les bras comme nous, toi là, c'est bon. Ouais. On le verra, je pense. De toute façon, s'il a un truc dans les mains, on le verra. Donc, on va arriver vraiment en bas de la rue. Genre là c'est là où vraiment commence le champ. Genre on est toujours en fait sur le côté du champ. En plus faut faire attention, c'est une impasse. Donc en fait ici il y a toujours le champ en fait, juste derrière un buisson. Wesh. La tête. Ah, c'est pour moi les gars là. Wesh, c'est quoi ça? Vas-y frère, ils ont un truc, vas-y. Viens. Les fils de pute, ils ont des trucs. Les fils de barbe, bâtard, dehors. Ouvre le toit. Oui bah attends. Vite frère, vite. 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 Attends. Oh, sa mère. Oh putain. Les baisse leur nom. Oh. Hey, Hercule. Attends. Je sais pas si on voit. Oh. Les bâtards. Oh, c'est trop. Oh les gars. T'as vu la barre? Ah, oh, je sais pas. Oui, il avait un truc dans les mains. Il avait un truc, ils avaient les mains dans le dos les gars. Putain, ouais ralenti. Ils avaient les mains dans le dos les gars. On sait pas ce qu'ils avaient dans les mains, du couteau, je sais pas. Donc je vais reprendre mon souffle et on va reparler de ça dans un instant les gars.